match de gala avant tout entre le Brésil et le Cameroun. Et par l'hymne national des Lions indomptables du Cameroun. Par rapport à l'équipe qui s'est imposée face à l'Uruguay il y a 4 jours du côté de l'Emirates. Maillot des Lions indomptables également pour Giando Fuchs, le Sochalien, 21 ans. Coup d'envoi de ce match amical, certes, mais c'est avant tout un match de gagne. Première montée de Gaëtan Bon qui peut s'appliquer sur son centre et repousser de la tête par Alexandro. Et la tentative de voler de Choupo-Moting qui file au-dessus. Le Cameroun privé d'Igno. Le départ de Roberto Firmino. Pas de position de hors-jeu. La frappe contrée. Bien levé la tête Alexandro. Le contrôle de la poitrine. Dallan pour s'emmener ce ballon. La fin de frappe ensuite pour déclencher. C'était merveilleux cet enchaînement d'Alan qui réalise encore une superbe saison avec le Napoli. Le ballon d'Alexandro, le contrôle de la... Neymar qui vient s'écrouler et se mettre au sol. L'attaquant du Paris Saint-Germain. Oui, et ça c'est une terrible image pour le Brésil et pour le club de la capitale bien sûr. C'est qu'il y a de très très grandes échéances à venir et ce très rapidement. On a vu se tenir l'adducteur Neymar, c'est ce qui nous avait semblé être le cas sur le... C'est lui qui va tirer ce corner, repousser au premier poteau. Willian à l'entrée de la surface, Willian qui déborde et qui a fait la différence. Willian, ce superbe service pour Roberto Firmino qui vient buter sur Onana. On tente de basculer à l'opposé vers Firmino, la remise de Firmino. Mais on ne sait pas parler entre Yaya. Quasiment là, Neymar qui pense forcément à l'intérieur de Richarlison pour faire la différence. Et trouver Paulinho. Il était parti, Roberto Firmino. Kantoko et Cambi, le dédoublement proposé par Gaëtan Bong. Le centre était bon pour Stéphane Bahoken. Et que dire de l'intervention défensive de Danilo qui bascule dans le couloir droit vers Richarlison avec Danilo. Propose une solution, dédoublement, le centre de Richarlison qui avait trouvé preneur cette fois-ci avec Roberto Firmino. Et malheureusement l'attaquant des Reds ne parvient pas à cadrer son coup de tête. Et pour l'instant on a Célessa Alan, la frappe lointaine d'Alan. Ça avait été dévié par le dos d'Arnaud Djoum. Et encore une fois, toute la vigilance d'André Onana. Ah, parce qu'il avait... Et le corner tiré par Willian. Le coup de tête somptueux de Richarlison pour son 3e but en sélection. Le jeune attaquant d'Everton qui fait la différence juste avant la pause. Quel coup de tête! D'accord, mais toujours tiré par Willian. Face à Gaëtan Bong, la vivacité de Willian pour éliminer. Centré au deuxième poteau, il est trop court, Richarlison. Mais quelle merveille de ballon une nouvelle fois donné par Willian. Pablo avec Kartoko et Cambi, le centre! Bahoken qui s'est jeté. Ah, il lui manque que quelques centimètres pour venir redresser ce ballon. Mais quel superbe centre de Karl Toko et Cambi. Cambi face à Marquinhos. Le petit crochet de Toko et Cambi. La frappe enchaînée. Capté sans problème par Ederson.
Willian, le petit ballon pour Danilo, qui a fait la différence. Sur son contrôle, sur sa prise de balle orientée, Danilo, c'était magnifique. Et ça vient mourir juste à côté. Recuperação de bola para Olinga, Zoá, Hamilton Keynes, neste Brasil, Acácio, sabemos que vale com certeza.